pour une autre fois, nous retourner pour nous continuer même travail notre affaire. OK. Maintenant, nous tournons c'est même site là, même page là, on a préparé, on a gardé là pour nous. Bon, pas en gros image et puis tableau yo bagaille. Bon, écoutez, ça c'est nous c'est tentative mettre une sorte de banner. OK? On a gardé code noir qui fait partie ça. Code qui fait partie tableau, nous avons gagné, nous avons gardé code à partir code seulement qui fait partie banner avec menu. Là, nous allons commenter encore. Faire des styles moins, ça veut dire CSS là pour ne pas paraître avec style. Ok, petit parti code qui fait partie image là avec menu, c'est seulement partie code ça. Ok, nous gagnons balise header. En dans header, nous gagnons une image qui c'est un banner avec un menu. Ok, bref, on nous regarde. Pour nous mettre image nous en banner, nous créons div avec classe banner. Nous mettons une image en dedans. Une balise image. Et non. Une balise image. Image dans le banner.jpeg. Bon, ça, c'est parce que l'image nous en même folder avec fichier. Nous, c'est ça qui fait mettre le compte. Il y a une alternative et puis un titre qui se code 19. Menu nous en, div moyen fermé là. Ok? Pour banner maintenant, pour menu, il est simple. Pour menu, c'est seulement ça, c'est yon UL. UL, c'est yon liste non ordonnée. Si nous pas comprenons yon bagay m'utilise là, retournez dans playlist HTML là, al gadel. Al gad playlist HTML là, on va venir comprendre parce que nous parlons de tout ça dans playlist HTML là, ok? Yon UL, nous bal yon classe qui est le nav menu, menu de navigation. Nous connaissons chaque, tout UL gen it et list. Ça c'est ordered list, UL qui signifie, et LI signifie item list. List item. Avait dit chaque élément dans la liste là. Nous gagnons un premier lien dans le menu nous qui parle vers une page accueil, une page information, une page qui traite de COVID-19, une page à propos. Ça, c'est une démonstration. Donc, bagay ça m'a disponibilisé, nous apprenons nous-mêmes pour nous adapter selon, j'en nous-mêmes nous supposons faire. D'accord? Maintenant, et puis après ça, après seulement ça, nous fermons nav nous, nous fermons header nous, nous menu nous ensemble dans la balise header. Maintenant, si nous regardons, nous sauvegardons, c'est seulement petit parti code ça selon nous exécuter fois ça, ok? Seulement petit balise header ça. Si nous regardons maintenant, qui ça nous est, nous capable dit, nous pas regarder dans le browser nous qui ça le fait, nous allons là, agrandir, nous actualiser page nous. Et voilà, mais qui ça le bail? Yon gros image. Image, ça, son image, moi, prenant internet. Moi, pas même connaît qui souce li, à vrai dire. Moi, pas même qu'a dit qui souce li, c'est le gain droit d'auteur ou pas. Mais comme c'est pour moi, nous pas l'utiliser pour fin commercial, c'est pas pour là. Et puis, même ni, hein, nous, comment le paraître. Nous pas regarder qui ça nous fait dans CSS, qui fait pour le paraître en l'autre façon. En nous, le nous pas, et tableau, nous, le paraître bien, là, et toujours, ok? En al D, commenter, link code CSS, nous, hein, link pour page CSS, nous, pour code CSS là capable d'appliquer pour nous qui résultat le bail. OK, nous des commenter dans page HTML là, mais page CSS là. Avant nous on regarde dans browser nous qui résultat le bail, on regarde code CSS nous qui ça le fait. Moi j'ai un code CSS, nous commencer par faire un reset CSS. Ça qui est le reset CSS, étoile ça, astérisque ça, étoile ça signifie tout pour un code pour un CSS. Donc l'on mette étoile, il signifie tout élément qui dans page là. Sous tout élément qui dans page là, qui ça nous fait nous appliquer un margin 0 pixel, un padding 0 pixel. Qui ça veut dire? Un marge, pas gain tout élément dans page là, un pas gain marge ni pas gain un marge intérieur ni marge extérieur. Padding, marge intérieur. Marge, j'ai oublié commenter CSS. Marge intérieur. Bon, c'est comme ça. C'est pas comme ça l'écrit, désolé. Margin, c'est marge extérieure. Ok? Nous pas bailler aucune marge. Maintenant, header, balise de nous, nous balions margin button de 30 pixels. Ça veut dire, yon marge en bas par rapport pour le cas bien positionné par rapport avec l'élément qui est en bas. Header, ça veut dire baliser des noms. Yon div qui gagne une classe qui est le banner. Ça veut dire div noir. Balion largeur 100%. Ça veut dire prendre prend toute largeur et des noms. Et balion hauteur 200 pixels. Et nous gardons nous div encore. Nous aider baliser des noms. Balise div qui est dedans. Et image qui est dedans. Balise div ça. Balion largeur inérite. Yon hauteur inérite. Qui ça veut dire? Ça veut dire yon largeur
qui c'est même large avec parent et yon la yon hauteur qui c'est même hauteur avec parent. C'est ça veut dire inhérite, ça veut dire comme ça dit héritage ou héritier parent. Qui ça qui parent image là, c'est div nous parce que c'est le gain image là dedans, mais la prend large 100% et la prend en hauteur 200 pixels. C'est ça ça veut dire. OK, parce que l'héritier débarrasse ça au coup de parent. Dans UL nous qui c'est liste nous qui c'est menu nous qu'on y a nous traiter UL nous nous dit display flex, ça veut dire pour mettre tout élément qui en dedans yo côte à côte. Nous balions background bleu, nous dit list style non qui signifie nous là nous garder dans page html nous dans code dans sale bail là nous allons mettre un valet point noir sous côté de chaque élément dans liste là, mais c'est pour ça nous mettre list style non, c'est pour point ça va pas paraître. Et puis nous balions padding left 5%. Padding left c'est une marge intérieure à gauche de 5% pour que let pour premier élément dans menu pas cocheté dans coin page là. OK, et nous allons regarder ça tout à l'heure. Nous allons voir ça le bail et nav ul li sous li, ça veut dire sous élément yo nous baille chaque yon largeur de 10%, nous baille monter de 40%, yon line et de 40%. Yon line et ça veut dire qui ça, c'est pour nous pour le centrer texte là, non seulement et pour après hauteur élément qui c'est 40%, mais pour centrer texte là par rapport avec hauteur, pour mettre texte là dans mi-temps par avec hauteur. Nous là nous pas centrer dans horizontal, donc pour nous te mettre pour nous te centrer dans horizontal faut nous te faire attends m'oublier non propriété CSS qui pour centrer en là. Et on nous continue. Les plus songer m'a faire m'a parler. OK, header nav ul li, ça veut dire tout ul la liste là, chaque élément yo gagne un lien en dedans, lien c'est balise A. Nous dit ba mettez une couleur blanc sous balise A, un texte décoration non. Texte décoration veut dire ça. Nous connait dans un lien, il toujours gagne yon trace en bas. Bon, voici ça gagne. Voilà. Nous lien nous là yo souligné, mais c'est pour nous retirer soulignement ça qui nous fait mettre texte décoration non. OK, sous pour nous centrer verticalement c'est align, texte align, texte align, c'est texte align non align avec n, voilà texte align. Et pour mettre center, ça veut dire mettre center, ça veut dire t'as centré horizontalement, ça veut dire dans largeur t'as mettre dans centre. Comme moi même pas besoin dans largeur dans centre, moi retirer texte align center, moi mettre seulement une line et 40% 40 pixels pour peut-être centrer dans vertical. On nous regarder qui ça le bail comme résultat. Et reste code qui en bas, c'est code nous devons appliquer sur tableau, pas inquiéter nous. Et nous avons tout ça code CSS nous. On va regarder, on actualise page nous pour nous savoir comme résultat. Et là et pas. Mais ça le bail comme résultat. Banner nous en l'air, un menu qui gagne information ça, qui gagne cela ça et puis tout tableau en bas. Regardez une différence. Quand tableau ça, premier tableau ça, nous qui ça passé. Nous elle coché dans coin gauche écran. Tableau ça tout coché dans coin droite écran. Pour qui ça? Pour et puis tout accueil pas coché dans coin. C'est parce qu'il te mettait padding left que me fait montrer tout à l'heure, on va me songer sur qui élément sous UL, voilà, padding left de 5%. Maintenant, si me voulez pour que tableau mieux tout pas coché, qui ça me besoin faire? Me besoin reler balise section non. Reler balise section non. Mais c'est pas là, on va mettre le code en bas, on a là balise section. On commence là. Nous avons balise section, après les section. OK. Section nous va faire un bagage pour nous comprendre. Nous va mettre text align center sous section. Mais puisque élément qui en dans section c'est élément de type bloc, il est possible pour nous gagner une surprise. On va regarder. Text align center. Voilà, nous fait ça. Et nous sauvegarder. Nous sauvegarder. On va regarder s'il y a un résultat. Voilà. Il y a un petit résultat. Il est centré. Mais centré n'a pas fait aucune différence vraiment parce que nous, là, il y a toujours cocheté. Mais est-ce qu'il est centré vrai? Puisqu'il y a un petit bloc, comme on centre des arrêts de type bloc, c'est pas exactement comme ça on centre une chose de type bloc. On fait l'autre chose. Qu'est-ce que ça nous peut faire? Nous peut appliquer plutôt des padding. Ou bien, nous peut appliquer sous ça plutôt. Nous peut faire sous article, on n'est pas le plus simple pour nous. On nous retire ça sous section, on nous parle sous article, qui ça nous parle dit article, nous parle dit, prenons largeur de, 90%. On a dit, prenons largeur de 90% de mètres, et puis,
90% de mètre tout. Pour nous centrer un élément de type bloc, qui s'en fait? Ou mettez un margin. Ou mettez un margin en l'air. Margin. Comment qui ordre encore? Yon margin de 0 pixel en l'air et en bas. Et à gauche à droite, ou mettez automatique. Auto. Ok? 0 pixel en haut en bas. Premier, ça veut dire 0 pixel en haut en bas. Et deuxième, ça veut dire à gauche à droite. Ou mettez yon margin 0 pixel en haut en bas. Et yon margin automatique sous deuxième. Dans deuxième partie. Donc, si vous avez actualisé, voilà, nous allons venir centrer choses là. Pour qui ça? Premier bagaille, il fait, il bail article là qui est dans la section, il y a un largeur de 90%, article là c'est tout ça, m'a sélectionné là, c'est ça qui est dans le tableau. Après, le modèle pour le centrer, qui ça le fait? Il quitte 5% à gauche, 5% à droite, c'est ça qui fait nous allons tomber exactement en bas ça, en bas à cœur là. C'est-à-dire qu'il y a 5% à gauche, 5% à droite. Ok, c'est pour ça. Donc, pas jouer en cours, nous capables de dire, nous allons continuer comme ça. Ça, c'est un premier article. Nous allons continuer à ajouter. Donc, premier bagaille, nous faisons tableau, nous faisons banner, nous faisons menu. Parce que dans l'aider pour les amis, c'était saleté. C'était un banner, c'était un menu. Et puis, dans la section créer article avec des tableaux. Et puis, dans pied page, là, il y a quelques autres choses. Nous allons créer un pied page dans la prochaine vidéo. Kembe là, dans la prochaine vidéo.